Cette image de Yanis Berakis, c'était au moment le plus aigu de la crise des migrants qui arrivent en Europe. Une des particularités de cette crise des migrants, c'est que souvent, on les voit en groupe, en colonne. Et puis d'un seul coup, il y a cette image. On est à côté d'Hippomanie, en Grèce, et cette route, on ne sait pas bien si c'est le matin très tôt ou le soir. Et d'un seul coup, il y a cet homme qui tient sa gamine dans les bras et on sent toute la misère du monde. On sent que le père ne sait pas où il va dormir. Il se demande s'il va pouvoir la faire manger. Et cette image, quand je la vois, mais j'ai eu un choc et je me suis dit, c'est mon affiche de l'année. Vraiment, elle m'a suffoqué, cette image. Je ne sais pas ce qui est advenu de ce père et sa fille, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants, je ne sais pas s'ils sont en Italie, en France, en Hongrie, en Suède, mais je pense souvent à eux et peut-être qu'un jour Yanis essaiera de les retrouver. Cette photo, pour moi, elle est le résumé parfait de l'incapacité de l'Europe à faire face à cette crise. Je veux dire, comment, en 2017-2018, comment l'Europe peut accepter que des gens vivent dans ces conditions de misère, qu'on dresse des barrières entre eux, qu'on les batte, qu'on les affame, etc. C'est quand même assez épouvantable.